Bonjour à tous. Alors, le micro est bien reconnu. Jusque-là, ça semble bon. Celui-là, je le coupe, je vois pas. La capture du son du jeu, est-ce que... Et... J'ai pas le son du jeu a priori.
Donc, on va ajouter une capture de l'audio. Capture audio d'application, voilà. Parao, hop. Ok. Ok, le son semble bon. Je peux le laisser relativement fort parce que les musiques du jeu sont globalement discrètes. C'est un jeu de stratégie, on a rarement des musiques qui prennent le dessus sur ce qui se passe autour. Hein. Bah déjà du coup, découverte, le jeu sort aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. L'embargo était hier. On commence une petite partie avec Tausert. Hein. We must be ruled by reason. Une des dernières reines de 19e dynastie, si je me trompe pas. Genre, elle a régné pendant deux ou trois ans, un truc du genre. Et c'était la compagne de je ne sais plus quel pharaon. J'ai pas, je voulais réviser avant de lancer. Sauf que, ben, je me suis dit, ah tiens, mais j'ai un peu de temps, je vais vite fait essayer de refaire fonctionner l'émulateur. Du modèle 3 en vue de futur stream et je suis passé plus de temps dessus que ce que je voulais. Avec Tausert, ce qui est bien, c'est qu'on commence en Haute Égypte. Pour ceux qui connaissent pas trop l'âge de bronze, enfin, déjà la géographie de l'Égypte, hein. La basse Égypte, c'est pas, c'est en haut parce qu'elle est plus basse en altitude. Enfin, logiquement, le Nil s'écoule de en haut vers en bas. Donc, la basse Égypte, grosso modo, c'est là. La Haute Égypte, c'est là, et là en bas, on a la Nubie, ou aussi appelée Kouch selon les périodes. Le Levant, ou Proche-Orient, début de la Mésopotamie, on va dire. Et l'Anatolie, du coup, où d'où sont originaires les Hittites. Si vous n'avez pas lu mon test, j'avais participé à la semaine de test pour. On était limité à Ramsès 2 au 50 tour. Et pour le test, j'ai joué avec Supiluliuma. King of the Hittites. J'ai plus la notion de. Pourquoi j'ai pas la notion du difficile facile? Est-ce que t'avais... Ah, c'est là. C'est là qu'on voit la situation de départ. Voilà. Ouais, sans être difficile, j'ai pas trouvé ça très difficile. Après, j'ai peut-être eu de la chance ou l'IA était plus clémente, je ne sais pas. Et la dernière partie, je l'ai faite avec Irsu. The mind is our sharpest weapon. Je vous laisse faire le test si vous voulez voir un peu comment ça s'est passé, et ce qui allait, ce qui allait pas. On va commencer avec Tausert parce que du coup, sur mes deux parties, j'ai pas eu l'occasion d'aller en Haute Égypte, à part pour visiter rapidement. Cinématique d'intro. Bien, c'est Merlita, un des derniers pharaons, un des pharaons qui est passé entre Ramsès II et Ramsès III. Il y en a eu deux ou trois. Je suis Meromta. Ah voilà. Non, je suis le grand pharaon Meromta. Il y a 10 ans, j'ai hérité du trône dans l'ombre de mon père. Le taureau puissant, le protecteur de l'Égypte, l'élu de Ra, le bien-aimé d'Amon, l'illustre pharaon. Ramsès II. On apprend aux enfants, hein. Il faut mâcher sa nourriture. Pas la jeter dans sa bouche. Ce n'est qu'un petit rappel.
Sous mon règne, l'Égypte a prospéré. Mais je sens désormais le regard pesant de Seth. Annonciateur de temps sombre. Après, c'est plus de mise en scène sur ce qu'on va, quoi on va avoir droit. Sur les murs d'Hipetsut se dressent depuis une éternité les pharaons qui m'ont précédé. Les reliefs de divinités mortelles. Mais comme le dirait mon père, le pouvoir ne se résume pas qu'à un portrait dans la pierre. La pharaone au postiche le savait elle aussi, et parfois j'ai l'impression qu'elle me sourit. Hatshepsut, la grande reine de jadis, je vous rendrai fier, vous et mon père. Hatshepsut qui a... Oh. Ah, non c'est bon, il charge. Le son qui a coupé, je voyais un petit Total War Pharaoh ne répond pas, je me suis déjà dit, oula. J'ai pas eu de soucis pendant tout le temps où j'ai joué, et là maintenant je stream et il y a un souci. Derrière Hatshepsut, tout grand pharaon se cache reine, une femme inspirante d'Égypte. Et mon père a été le plus illustre de tous. Avant Jésus-Christ. Malgré ses innombrables époux. On va pas faire tout le détail de Tahuserd parce que voilà, c'est... Ça reste intéressant, mais... Comme d'hab, hein, on commence, on est en guerre avec une petite faction. On va pas dire de merde, mais si. De manière générale, elle est toujours là pour servir de tuto. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Du coup, on commence en 1205 avant JC. Et du coup, juste histoire de vous mettre un peu dans le bain sur la situation à ce moment-là. On est... un peu plus de 100 ans après que l'Égypte et le Hatti se soient affrontés à Kadesh. Il y a une période de paix d'une centaine d'années, du coup. Bien aidé par la longévité de Ramsès II. Plus à l'est, là, on a la Syrie qui a gagné en puissance et qui est devenue en gros la quatrième puissance, on peut pas dire mondiale, mais au moins internationale. Et aux alentours de 1200, en fait, il y a pas mal de troubles. Pas mal de troubles. Qui commence à se manifester de manière plus pressante. To battle. On est à l'âge de bronze. Âge de bronze qui s'appelle comme ça parce que le bronze est le métal prédominant. Sauf que le bronze c'était de 9 dixièmes de cuivre. Ce qui est présent en grande quantité en Anatolie et encore plus à Chypre. Mais surtout il faut 10% d'étain. Et l'étain, à l'époque, on le fait venir d'Afghanistan ou d'Angleterre, déjà. Donc on a les... Alors c'est pas encore les Phéniciens, c'est plutôt les proto-Grecs et proto-Phéniciens qui font le voyage jusque là-bas. La Sardaigne aussi, d'ailleurs. Déjà un niveau. Alors... Et... Ça fait partie des troubles, du coup, parce que c'est de plus en plus dur d'obtenir de l'étain. Mais à côté de ça, l'égisement d'or, par exemple, que l'Égypte exploitait depuis plus de 1000 ans, commence à s'amenuiser. Donc, pour faire des cadeaux aux dignitaires, ça devient plus compliqué. Il y a des changements climatiques qui amènent plus de sécheresse, des séismes qui sont plus réguliers, ce qui fait qu'il y a une tension au niveau local. Et tous ces facteurs combinés vont amener du coup à la fin de l'âge de bronze. Qui est connu notamment du coup pour l'arrivée des peuples de la mer. Vu qu'on est en Haute-Égypte, ce sera plutôt des peuples du désert qui vont venir essayer de nous piller. Et voilà, je crois que c'est tout pour le petit contexte. Ah, il fallait que je monte un niveau. Du coup, les généraux... Comme dans les autres Total War, hein, ils montent des niveaux, ils peuvent débloquer des compétences. On est sur des trucs beaucoup plus raisonnables par rapport à un Warhammer ou même... Alors, je me souviens pas trop des trois royaumes maintenant. C'est un petit moment que j'ai pas joué, je dois dire. Mais si on regarde là, hop, on peut avoir du coup... En fait, c'est des titres auxquels on s'assigne hein, en fonction de notre niveau de présence, de fortitude et d'ardeur. De base, du coup, on a 3 en fortitude, ça nous donne accès à celui-là. Donc ça augmente nos chances de choper des auxiliaires, donc c'est de l'équipement en gros pour notre général.
et ça augmente le butin de bataille. Vu que j'y ai accès de base, je vais sûrement le mettre. Si j'augmente ma présence à 3, je pourrais mettre responsable de la milice qui améliore le rang de recrutement de toutes mes unités. Et si on regarde des trucs plus haut niveau, il y a des trucs un peu pétés, hein, on va pas se mentir. Reconstitution plus 8, déplacement en mer -20/-20, c'est pas hyper intéressant. De manière générale, je préfère augmenter mon déplacement. Hein. Coût de main d'œuvre -40% pour cette armée pour faire des béliers, tours de siège et ok, ça c'est pété. Ensuite, maître de la chasse, reconstitution plus 5, voilà. C'est important, mais en même temps, il faut avoir un général niveau 26 au moins pour y avoir accès. D'influence en plus, taille de l'aura. On n'est pas du tout sur des pouvoirs du genre on va faire s'abattre la foudre de Zeus ou quoi. Augmenter ça. Et j'ai envie d'avoir des bonus de déplacement, donc on va améliorer mon ardeur. Et on va aller attaquer directement cette petite armée. Je sais pas si je vais avoir assez. Ils ont 5 personnes en. Ouais, non, ça passe pas. On va se replier. Best to withdraw. Tausret. Long road ahead. Évidemment, on est dans le désert, donc il y a de l'attrition. March on. Je vais reculer pour le moment. Je vais améliorer mon armée avant d'y aller. Point important, j'ai failli oublier. Chaque colonie, par exemple la Neken, là, a des avant-postes. On peut construire aux alentours. Là de base j'ai un comptoir commercial, un colosse de Memnon, et je peux construire du coup un hôtel d'Isis par exemple qui va augmenter ma faveur. Ça va me permettre d'améliorer les bonus que j'ai vis-à-vis des divinités que je prie. Le comptoir commercial ça augmente toutes les ressources de la région. Et en fait l'armée peut interagir avec ces comptoirs. Et ça te. Alors. Systématiquement, ça nous redonne 50% du déplacement utilisé pour l'atteindre. Donc si je m'étais arrêté là, que j'allais interagir avec ça, je pourrais remarcher jusque là gratuitement. Alors, et à côté, ça a donné d'autres bonus. Donc par exemple, comptoir commercial, c'est -20% d'entretien. -20% d'entretien pour cette armée pendant 4 tours. Les temples, c'est souvent le truc le plus pété. La colosse de Memnon, du coup, c'est plus 30% de morale. Et j'ai pas de... Ah si, Hôtel d'Isis. Immunité contre l'usure dans le désert, ça c'est extrêmement important. Honnêtement, les avant-postes religieux, vous allez en mettre pratiquement à chaque fois avec le comptoir commercial. Bon, du coup pour ce tour-ci, c'est presque fini. Décrets royaux, concrètement c'est les technologies. Expérience par tour, influence ou bonheur plus 3. On va... Autre point important. Les ressources, on en a 5, contrairement à la majorité des Total War. Et je ne produis pas de pierre pour le moment. La pierre, j'obtiendrai quand j'aurai M, et avec Metz, j'aurai de l'or. Donc j'aurai toutes les ressources dès le début. Ce qui est une position très favorable. Pour situer avec Ramsès, il y a plusieurs provinces à conquérir avant d'avoir accès juste à de la pierre. Et la pierre obligatoire pour tous les bâtiments. Donc c'est souvent la merde. On va prendre d'expérience par tour déjà. Ouais, on va faire directement chercher le bronze parce que le bronze, pareil, c'est pratiquement toutes nos unités de correctes, on va dire, ont besoin de bronze. Niveau bâtiment, ils sont. Alors, il n'y a pas de bâtiment exclusif. Enfin, si, on avait vu, il y a des bâtiments exclusifs à la faction. Je crois que c'est. Et réserve de matériaux de rats, ouais. Ouais. Ça, c'est les trucs de faction. C'est absolument pété avec Tausret, de ce que j'ai vu. On a du plus 30% de nourriture dans la province, avec moins 25% au coût de recrutement, la production de toutes ces ressources qui augmentent. C'est franchement pété. Tausret m'a l'air totalement pété, on va pas se mentir. Mais... Ça me va. Amélioration de colonie disponible, je vais le faire parce que... En passant au niveau 2, du coup, je pourrais prendre un de ces bâtiments complètement pété. Et c'est ce que je veux. Là, avant-poste construction possible. Ça, on va pas en faire au début. Comme dit, c'est très fort les avant-postes. Très utile, mais ça coûte 200 de pierre. J'ai pas de revenus de pierre. Pour le moment, je préfère améliorer mes villes directement.
faire l'avance rapide parce que... Je me demande s'il existe des gens sur Terre qui laissent les loadings en avance pas rapide. Je ne sais pas si ça change quelque chose en vrai. J'ai... By my guidance. On repasse juste en mode Always normal. Be prepared. On va aller chercher l'entretien. L'immunité à l'attrition. Hop, ça c'est vide. Ça donnait du moral, mais j'ai pas assez de capacité pour aller jusque là-bas. Moving on. Il y a un troisième bâtiment, c'est un des avant-postes militaires, je crois, qui donne plus 30% de déplacement sur terre et mer pendant 4 tours, ce qui est évidemment très très fort aussi. Everyone will play their part. Recrutement. J'ai pas accès aux chars de base. Alors que là, j'ai des chars à javelinier. On a quoi? On a un archer et on a des paysans. On va peut-être privilégier Investing in a strong des results. Archers supplémentaires. Voilà. Ça pour le suivant, évidemment. Avant poste, on ne fait pas. Et on peut construire. Ils disent construction disponible, mais il n'y a pas de construction. Ah, ça doit être pour Neken, en fait. Yes. Revenu de bouffe ou... Il y a plein de... On a plein d'options là pour le coup avec Tausret dans cette région. Parce que quand j'étais avec Irsu, franchement, on se demandait souvent quoi faire avec les deux derniers bâtiments. On va faire des terres agricoles reconquises parce que ça augmente la croissance de main d'œuvre. Un autre point que j'ai pas précisé. Si vous regardez dans les... Je peux pas switcher comme ça. À gauche, vous voyez qu'il me faut de la pierre, du bois et il y a un 1. C'est la main d'œuvre en fait, et en fait c'est le nombre de personnes inactives qu'on a dans la région. Plus on en a, plus ça cause du débonheur, du malheur on va dire, du malheur. Et du coup, faut essayer de les garder occupés. Honnêtement, le bonheur n'a pas été un gros problème dans ce jeu jusque là. Alors ça, c'est un truc que j'avais voulu faire. Est-ce que je peux encore le changer ça? Personnaliser la campagne. Ça c'est... On peut le faire en début de partie, donc on a accès à tout. Hein, Et là du coup en campagne on peut pas tout changer. La difficulté on va pas la changer, mais armée des peuples de la mer, on va y mettre en élevé. Parce que pour le coup, c'est vraiment une période tendue, normalement l'âge de bronze, la fin de l'âge de bronze surtout. De base ça va, honnêtement ils sont pas... hyper... leurs armées sont très fortes. Mais il n'y en a pas assez, je trouve, pour que ce soit vraiment relevé. Et là, pareil, on va mettre la valeur de bonheur sur faible, histoire d'avoir plus de galères. Appliquer. Ah, parti. Du coup, déjà, là, je perds du bonheur. Merveilleux, on adore. J'aime souffrir. Mais c'est vraiment deux switches que je recommande de faire. Je les ai pas encore testés sur une partie complète, hein, donc ça se trouve c'est abusif. Mais ça me semble plus équilibré comme ça. Ah oui, du coup, je construis du coup ça pour avoir plus de main d'œuvre. Parce que du coup, plus de main d'œuvre plus vite signifie que je pourrais construire plus vite aussi. Et vu qu'on est en début de partie, que j'ai qu'une région, je peux construire sans trop me poser de questions. J'arriverai à maintenir la main d'œuvre basse, c'est pas un souci. I see all. Ok. Toujours pas me déplacer assez loin et ça c'est frustrant. Time to move. Parce que j'aurais voulu pouvoir recruter encore I need the right people. Des gars dans mon armée. Combattant à massue, catégorie de poids léger, excellente vitesse de bataille et bonne vitesse de bataille, bonne défense. Si je regarde des paysans, mon avantage contre les chars, efficace contre les projectiles, ok. Les guerriers à la hache, je pense qu'ils sont un peu plus équilibrés du coup. Donc c'est eux qu'on va construire. Recruter plutôt. Avant-poste disponible, on a dit on fait pas. Et Yebu, on peut améliorer. Ah, là il faudrait niveau 3 et du coup ça me coûtera 3 de main. Concrètement, la quantité de main-d'œuvre que ça vous coûte, c'est à chaque fois le niveau du bâtiment. Donc c'est pas compliqué à gérer. Hein.
J'ai deux. On va augmenter la bouffe pour le moment parce que ça va me permettre de maintenir mon armée. I will guide Egypt. Engage the enemy. Est-ce que l'armée est toujours là? Oui. Mais ils se sont pas améliorés, donc avec 12, peut-être que maintenant je peux les assiéger. Victoire à Cadmeen. Ah, j'ai pas pensé. Cadmeen. C'était un autre truc que je voulais voir. Je voulais le voir pendant tout le test. Toute la période où j'y jouais, et à chaque fois j'oublie. En 1547, victoire Cadmeen, victoire funeste à celui qui l'a emporté. Qualifie un ancien alphabet grec de 16 lettres. Hop, ce... Et si je cherche victoire, du coup... On nous dit ancien alphabet grec, mais l'alphabet grec est dérivé du... De l'alphabet philistin. Ah, bataille d'Alalia. 540-535 avant JC. Mais c'est complètement... C'est pas la bonne période. Qu'est-ce qu'ils nous font? All part of our empire. Tarsinthe occupé, voilà. Wisdom is its own reward. On va en profiter. Every idea needs soldiers to carry it out. Bon, on va continuer avec des gars à la hache. Numbers are key. Voilà. Ça le temps que l'armée récupère. On va réparer le bâtiment. On agrandit la résidence du vizir parce que ça donne plus 20, plus 2 de bonheur. Très important du coup vu que j'ai mis le malus. Hello Anne Orlando. Ouais, j'ai été me mettre tout petit pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Après, en haut à droite, il n'y a rien de très important. On nous indique qu'on a un bonus loin et industrie qui donne plus de reconstitution à toute sa faction pour encore un tour. Et on a des bonus du type soutien du peuple qui donne des bonus de nourriture pendant encore 17 tours. Je sais pas d'où ça sort en vrai ces bonus. C'est lié à la faction, c'est peut-être lié en fait à la couronne ou quelque chose, je sais pas. Bah oui, que je les avais pas vu cela pendant le... Quand je jouais pour le test. Faut dire que généralement en haut à droite, il n'y a rien dans les Total War. Alors, Saefi qui me propose 91 d'or pour un traité de paix. Non, parce que je veux la région complète et surtout je veux ton or. Et je sais que je peux m'en faire beaucoup plus que 91 si je prends ta... Ta province. D'ailleurs, c'est... Ah, voilà. Première ambition. Les ambitions, c'est un truc que vous aurez régulièrement. Donc on a à chaque fois 10, 20, voire 30 tours parfois pour les faire. Et... Bon. C'est... Il y en a des... On peut avoir des technologies qui augmentent le nombre d'ambitions possibles. Il y a un truc très chiant. C'est que... Ou en tout cas, j'ai pas trouvé comment faire. On ne peut pas regarder la carte pour choisir. Genre des richesses inégalées, conquérir une région spécialisée dans la production d'or. Si j'ai pas fait attention à si j'en ai une à côté de moi que je pourrais aller chercher, ben je sais pas si ça va être jouable en 10 tours. Donc là en vrai je peux choisir une de ces deux là, parce que la dernière province à prendre, elle me rapporte de l'or, donc je pourrais avoir le plus 1000. Et en même temps ça compléterait Yebu. Donc je pourrais avoir plus 2000 de nourriture, plus 500 de bois. Occuper une colonie en ruine. Je sais pas s'il y en a dans le coin, donc je vais pas le risquer. Les récompenses, c'est quand même bien intéressant à réussir à les chercher. Donc, par défaut, je vais prendre l'or. Parce que l'or, c'est très puissant dans ce jeu, surtout en début de partie. Knowledge is power. Là, on voit d'ailleurs, ils ont deux avant-postes construits, un hôtel d'Osiris et la vallée des rois, qui est du coup un monument unique. J'aime bien dans l'idée ces jeux-là, mais je suis nul en général dans la gestion, donc j'y joue pas. Moi, c'est le contraire, je suis très nul en bataille, c'est pour ça que je les délègue systématiquement aux généraux. Quitte à revenir avec deux armées si je peux pas gagner sur le moment.
Mais à l'inverse, la gestion, ça va. Là, je perds encore 4 de bonheur. C'est pas grave. On va s'arrêter ici. Plans within plans. Comme ça, je peux encore recruter. On a 4 gars à la hache, 3 archers. On va prendre encore... Est-ce que je prendrais pas des frondeurs? Ils ont une bonne portée. Est-ce qu'on voit la 150 de portée, 210? Ouais, allez, 2 frondeurs, ça peut être pas mal. Remis sur Zeus, le maître de l'Olympe, j'étais pas mauvais, mais bon, c'est plus simple. Ça faisait partie de la même série que Kaisar et je sais plus comment il s'appelait, le jeu sur l'Egypte. HM, je peux améliorer, mais avant d'améliorer, je veux pouvoir avoir de la pierre. Et on me dit que Yebu, je peux construire, mais... Ah, peut-être que j'ai assez pour... Oui, j'ai encore de la main d'œuvre. On peut faire quoi? Influence, croissance ou bonheur? Le bonheur, tant que je navigue à des valeurs raisonnables, dit-il. Alors, tant qu'on est à des valeurs à peu près raisonnables, surtout que prochain tour, j'aurai... La région complète, donc j'aurai accès aux ordres, je pourrai chercher le plus 3 de bonheur. Le coût de recrutement, plus 5%. Mon armée, elle sera relativement puissante déjà, ça ne sera pas un problème. Je pourrai l'encaisser. Donc on va pas chercher le bonheur avec des bâtiments. Pas pour le moment, en tout cas. Vive les suivants d'Horus, voilà. Donc, à ce moment-là... Alors, je sais pas si c'est célèbre la fin d'année... Où le cycle se répète sur vos terres et la cour royale se réunit une fois de plus sous le regard des dieux. Ou si c'est en fait le début de l'année, c'est grosso modo le nouvel an. Il y avait Pharaon, Zeus et un jeu en Chine, oui. Okay. Peace is a time of donc là, on nous explique les piliers de civilisation, hein, ça indique l'état du monde, la prospérité de chaque centre de culte majeur. Divinité locale, ordre, voilà. On va reculer. Hop. Les piliers de civilisation, voilà, c'est ces trois. Il l'indique là? Non. Mais en gros, c'est les points comme ça. Ceux-là aussi en font partie, je crois. C'est juste que comme je les connais pas. Et du coup, ça se répercute là. En gros, plus la civilisation est prospère, bah, moins il y a de mauvais événements, moins il y a de peuples de la mer qui vont venir nous attaquer. Si on est en crise, il y en a un peu plus, et on a des malus sur la prod en général. Attends, je peux ouvrir, voilà. Est-ce que ça indique... Je m'en fiche des ordres de faction pour l'instant. Ah, donc il y a les tribus nomades, peuple de la mer, et Taous. On peut pas voir les malus, il me semblait que si. Mais du coup, voilà, on voit 5% de chance de catastrophe, 25% de chance de bénédiction. Et bénédiction, ça va être... Ah ben, il y a une super récolte cette année, t'as des bonus de production pendant quelques tours. Est-ce que j'arrive à accéder à l'île? Ouais. Allez. Il y a une petite armée, mais j'ai encore plus d'hommes qu'avant, donc ça devrait le faire tranquillement. Voilà. En vrai, je vais laisser après la cinéma. Parce qu'en vrai, c'est quand même sympa, les petites batailles là des généraux. Ouais, on a plus 1000 en or. On répare mess. It's a mess. je vais améliorer ma production de pierre avant tout. Alors, pareil dans le test, j'avais noté, il y a des gisements de pierre qui sont finis. C'est à dire que une fois que c'est à zéro, en gros votre production de pierre est divisée par 2 parce que ça simule le fait que ben, les gisements importants sont épuisés. Et c'est galère du coup. Comme dit dans le test, ça m'a posé un gros souci. Parce que, ok, la pierre c'était compliqué à aller chercher, mais bien moins que le bronze et l'or. Et on n'a pas de notion de gisement pour bronze et l'or. Et. Alors, je vais retourner jusqu'au point de la campagne. Voilà. Apport des gisements de ressources. Les ressources, il est bien avec un S. Donc, c'était bien prévu au départ pour tous les gisements. Et, bah, en fait, du coup, a priori, ça prend en compte que sur l'or. Enfin, que sur la pierre, je veux dire.
Bon, je sais pas, comme dit, si c'est si c'est une erreur, un souci, parce qu'on peut pas scroll ou quoi que ce soit ici. Et en l'occurrence, je produis de l'or aussi, donc je devrais voir si j'ai de l'or ou pas, mais non. Je ne sais pas, et je commence à perdre de la bouffe d'ailleurs partout. Mon armée est trop grande. Je vais essayer de suivre pour bien comprendre, parce que sur le papier, ça m'intéresse comme jeu. Franchement, le jeu, il est... Franchement, j'ai... putain, ça, je voulais le noter en plus. Mais quand j'avais testé ROM Remastered, j'avais dit, c'est sûrement le meilleur Total War pour commencer. Parce qu'il est relativement simple dans ses mécaniques. Il n'a pas les trucs compliqués qu'on a dans un Warhammer avec toutes les unités différentes. Là, on retrouve un peu ça, mais avec l'emballage moderne et pas juste remasterisé. Et pour ça, je pense qu'il est même mieux pour commencer. Déplacement en mer plus 30%. Ce sera pas hyper utile, vu que je suis en Haute-Égypte. Mais en vrai, ça s'applique sur le Nil aussi. Hein, donc, comme dit, le déplacement, c'est absolument essentiel, je trouve, vu qu'on peut se recharger sur les avant-postes. D'ailleurs, là, j'ai plus de bonus, donc c'est peut-être pour ça que je suis dans le négatif aussi. Est-ce qu'on peut déjà... Divinité locale. Je peux pas encore assigner de généraux. Ah, faut que ma faveur envers la divinité atteigne 250. Non, là ça se passe uniquement à fin de l'âge de bronze. Ils ont annoncé un DLC déjà pour une campagne supplémentaire. Honnêtement, pour moi, il y a deux possibilités en termes de campagne supplémentaire à l'âge de bronze. C'est soit ils rajoutent la Mésopotamie, et du coup, le terrain de jeu serait vraiment fantastique, vraiment. Parce que la Mésopotamie, en termes de taille, ça représente à peu près la même chose que ce qu'on a déjà là en taille de base. Donc ça doublerait grosso modo la map. Ou âge de bronze moyen, et on garde grosso modo la même map. Et là, du coup, t'as un triel, qui est donc un duel à 3, avec le Mitanni encore, qui se trouve du coup ben, entre le Hatti et l'Egypte. Pour moi, c'est les deux possibilités intéressantes en termes de campagne à rajouter. Donc, ça me semble évident que c'est ce qu'ils vont faire. Du coup, oui, là, on est niveau 1. Donc c'est les trucs par défaut, c'est-à-dire qu'on prie Isis du coup. Donc nos hôtels nous apportent de la main d'œuvre dans la province et du bonheur dans la province. La prière donc nous immunise contre le désert et fait moins 4 de bonheur quand on se bat chez les ennemis. Et général est dévoué, donc ça je peux pas encore le faire, mais ça donnera des bonus à mon général, enfin à toute son armée quoi. Au niveau 2 du coup on peut voir que... Ben, ça augmente le bonheur encore obtenu par les hôtels, la croissance, tout ça. Et niveau 3, ça va encore plus loin, avec des bonus toujours plus grands. Et hop, ça c'est Taruna, c'est chez les Hittites. Et du coup aussi, on peut débloquer avec les décrets royaux d'autres divinités à prier. Du coup, on peut avoir plusieurs bonus différents stackables. Construction d'île. En vrai, je vais quand même mettre un... Alors là, j'ai déjà un hôtel d'Isis. Là, j'en ai pas. Et là, c'est un hôtel d'Osiris que je peux convertir. Ça me coûte combien de le convertir? 75 en or, vas-y. Et à Thème, je vais mettre un hôtel d'Isis aussi, comme ça. Avec tout le bonheur que je vais gagner comme ça, j'aurais plus... Ah, ben, ok, ça me coûte beaucoup de pierres, mais vu que je vais commencer à en produire, c'est pas grave. Et ça va booster mon bonheur. Donc, c'est bénef. Bon, ça produit de l'or aussi. Fin du tour. Ouais, la fin de l'âge de bronze, c'est vraiment une... Enfin, l'âge de bronze en général, en vrai, c'est passionnant parce qu'on a vraiment plusieurs grandes puissances qui durent dans le temps. C'est un peu... En vrai, c'est un peu comme avoir le Moyen-Âge, où d'un côté, t'as la France, t'as le Saint-Empire romain germanique, t'as l'Angleterre. Et ensuite, t'as un quatrième larron selon les périodes. Parfois, c'est l'Espagne, les cités-états italiennes, en vrai Byzance, ou ensuite l'Empire Ottoman. Et on a un peu la même chose avec l'Égypte, qui est du coup le mastodonte qui bouge pas, un peu comme la France ou l'Angleterre. Le Hatti, c'est.
la très grosse puissance, mais qui a des grosses périodes de creux. Et au milieu, t'as le champ de bataille, on va dire. C'est-à-dire, t'as plein de cités-états qui changent de vassaux et qui de liges et qui ensuite redeviennent indépendants. Et c'est quand même une période qui dure 1300 ans, donc c'est aussi long en vrai que... Elle est pas tout à fait 1300 parce que c'est encore un peu... c'est la fin de l'âge de cuivre avant. Mais c'est vraiment une période où il y a eu beaucoup de royaumes, beaucoup d'intérêts... Enfin, c'était très international déjà. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'était plus international que le Moyen-Âge, mais on parle quand même d'une période où... Pour avoir du bronze en Égypte, du coup, il le faisait venir d'Afghanistan et des îles britanniques. Alors que pendant longtemps, on pensait que, en gros, ils étaient dans leur coin, c'était les civilisations du coin, et puis ils allaient pas plus. Non, ils connaissaient déjà l'existence des îles britanniques. C'était loin, c'était compliqué à y aller, mais on faisait venir de l'étain de là-bas. Je crois que ça remonte à il y a une vingtaine d'années. Ils avaient trouvé au large de la Crète, je crois. Merde, alors attends, là j'arrive pas à lire ton message du coup. Je passe juste sur le téléphone parce que ça se superpose avec. Connexion. Se superpose avec le fond bleu. Je vois. Et ensuite fini Égypte antique. Et évidemment, du coup, il n'arrive plus à charger. Ah ! J'ai l'air malin, là. Je vais pas mettre un message juste pour que ça le remonte. Je vois que tu sens les messages de période comme moi et l'Égypte antique. Bah, si t'aimes l'Égypte antique, c'est l'âge de bronze, c'est vraiment la période phare de l'Égypte antique. Hein. Franchement, si on regarde l'Antiquité classique, bah déjà l'Égypte à ce moment-là n'est pratiquement plus indépendante. Elle est tantôt sous le joug de, je crois, c'est les Mèdes. Enfin, d'abord il y a la Syrie. Après t'as les Mèdes, je crois qui, ouais, c'est les Mèdes hein, que Alexandre le Grand bat. Puis du coup ensuite c'est des Grecs, enfin. Concrètement, c'est plus l'Égypte qui contrôle l'Égypte, quoi. C'est... I will guide Egypt. Alors que là, à cette période, justement, c'est vraiment encore la culture antique égyptienne. Du coup, là, vous avez vu. De base, je crois que je pouvais aller jusque là avec la récupération de mouvements. Du coup, ben, on peut faire des genres de combos, on va dire, pour pouvoir balader son armée. Et du coup, vu que j'ai diminué de 20% l'entretien de mon armée, ben je gagne de nouveau de la bouffe. Je vais passer niveau 3 pour augmenter encore la prod. On a plus 0 en bonheur pour le moment, mais j'ai pas encore le dernier hôtel, enfin même les deux derniers. Donc je vais pouvoir changer ça après pour augmenter ma production en général. En vrai, avec le malus que j'ai mis sur le bonheur, là ça va être chaud d'utiliser ces bâtiments. Le bonus de prod il est bon, surtout le production plus toute ressource, mais le malus de bonheur il risque de me coûter cher. Je vais peut-être regretter d'avoir choisi ça. Ok, alors recruter un nouveau général, ça me rapporterait 1000 de bouffe, 150 de bois, construire un bâtiment produisant du bronze. Je crois que je pouvais en faire un et avoir plus de bronze, ce sera bien. Ou un bâtiment qui produit de la pierre. Mais ça, j'ai déjà. Je l'ai déjà construit. Grosse erreur. Bah écoute, on va partir sur le bronze du coup. Il me semble que je pouvais en construire un, mais alors c'était où? Oui, il faudra que je fasse des temples aussi.
bouffe. C'est ici, non. Je crois que c'était là, mais ici, non. Non. J'étais sûr d'avoir vu un bâtiment qui me permettait de construire. De produire un peu de bronze. J'ai rêvé ? Là, j'ai des bonus sur le bronze, mais c'est pas ce qu'il me faut. Est-ce que c'était ici en fait Alors, comment on fait déjà? Voilà. Installation d'outils en bronze. Ah, c'était ça. C'était ça. Il faudrait que j'enlève mon bâtiment qui donne du bois. Parce qu'il faut bien avouer que il me rapportera de toute façon pas grand chose. Et pour moi j'ai du bois qui vient de mon port aussi. C'est où qu'il y a un port? Pas de port? Si? Ah là! Ouais, donc je détruis celui-là. Pourquoi je peux pas? Pourquoi il me laisse pas? Lui je peux? Pourquoi lui je peux pas? Quelle est cette sorcellerie? Ok! Learning is power. Oh! Oh! Là j'ai l'impression que. Y'a personne! Ouais, le truc il est abandonné. J'ai l'immunité au désert pour 3 tours encore. Allez. Sprint! To move. Knowledge is power. On va aller chercher. C'est Settlement? Ouais. Franchement, je trouve que. Alors, j'adorais la musique de Rome. Hein. Il y avait vraiment. C'était incroyable. C'était juste incroyable. Mais j'aime beaucoup le fait qu'ils sont partis sur des musiques plus discrètes. Dans les derniers. Ah. Joyeux royal, ça, celui-là je le voudrais parce que plus 6 de bonheur, ce sera important aussi. Ça me permettra de dégager certains trucs. Ah, c'est là que je peux avoir des chars. Je peux pas détruire ton port sur moi, mais pourquoi il me laisse pas les détruire? Ok, je veux bien que ce soit important un port, mais je m'en fiche d'avoir 45 de bois. Non mais c'est pas grave, on va essayer de... Oh punaise, mais en plus du coup j'aurais pu faire... j'aurais pu avoir le bonus de pierre. Je suis dégoûté. Oh, je peux me déclarer la guerre. Assaillant Seti envers Mirenpta. Vous êtes les seuls alliés de cette faction. D'accord, je suis allié à Seti, je suis content de l'apprendre. Est-ce que j'ai envie d'affronter Mirenpta? Non. Désolé Seti, tu vas te débrouiller tout seul. Je marcherai sur ton cadavre s'il le faut, mais... Tauzret. Marching ahead. Il n'y a pas d'armée qui squatte à proximité là, qui voudrait les prendre. Personne, merveilleux, prochain tour. Ouais, et du coup, comme dit, ça c'est... plutôt frustrant parce que du coup ben si j'avais pu regarder la carte j'aurais peut-être pu voir que Cheba Oua est abandonné parce que abandonner l'ambition j'ai pas testé mais en vrai je doute que ça me donne quelque chose et là il y a du bronze et c'est abandonné aussi. Oh, je pense que quelqu'un est en train de se faire rétamer par je sais pas quoi mais on va en profiter hein. Bonheur plus 3 dans la province de la capitale, ça me va très bien. Bois plus 10%, j'en ai pas trop besoin. Pierre plus 10%, ça va pour le moment, j'en produis assez. On va prendre de bonheur. Comme dit, ça me permettra de libérer des emplacements de bâtiments. Amélioration de colonie. Et thème, j'ai combien en bois? Pierre. 200. C'est quoi ça?
Ils ont mis un terme au pacte d'accès militaire avec... Oui, c'est pas grave. Qu'à te faire rouler dessus, moi je vais en profiter pour m'étendre. Je me demande si l'oasis de Carcourt, là, ça a l'air d'être une faction avec une seule province. Yep. Je pourrais aller les attaquer aussi, ce serait pas mal. The enemy are fools. Violence is necessary. Coloniser. This place is ours. Nouvelle divinité débloquée. C'est rare. L'air d'être rare. Allez. On répare. Là aussi. Je crois que je vais beaucoup m'étendre dans le désert. Je vais recruter un général ici, je pense. Comme ça, je prends l'immunité contre l'usure et je fonce là-bas. Ah, j'en ai pas qui a le héron pour avoir les bonus de déplacement. Zut. Et ici. Non plus. Alors, si je me souviens bien, la présence, c'est l'entretien qui diminue. Fortitude, c'est la reconstitution. On va dire qu'on veut... diminuer l'entretien alors. Voilà. My name will be legend. Amélioration de la colonie. On va garder des ressources pour le moment. Ou bien, j'améliore déjà pour plus d'or. En vrai, ouais, on veut toujours plus d'or donc. Personnage non équipé d'auxiliaire. J'ai quoi qui traîne? Une armure moyenne ordinaire. Priorité quand même à Tau certes. Hein. Ça améliore la défense en mêlée, on lui met. Pas d'arc, hop, on a rien d'autre, ok. Ah, et du coup, on peut lui mettre en rendre recrutement plus 3. Pas que ça m'intéresse beaucoup pour le moment parce que j'ai pas les moyens, mais. Un autre que. Ah mince! Ah, parce que j'ai une monture, je peux pas mettre une armure moyenne. Ok. Avant-poste disponible, oasis. Là, on va mettre... Ah, je peux pas. J'ai pas assez de pierre. Je savais que j'aurais dû économiser ma pierre. Tant pis. Et vous allez voir la puissance de l'or au prochain tour. Et vous comprendrez pourquoi... je trouve ça essentiel. Ils veulent 209 d'or pour 976 de bouffe. Non. Désolé Meremta, mais c'est pas très intéressant ce que tu me proposes. Ok. Vive les suivants d'Horus. Ah ah ah. Pouvoir de la couronne. Ça se débloque doucement. Voilà, là je vais pouvoir choisir ma tradition royale. Donc, est-ce que je veux plutôt m'orienter vers les traditions royales hittites ou égyptiennes? Ça a aucun sens pour. En vrai, je comprends pas trop pourquoi on te laisse le choix quand tu commences avec des hittites ou des égyptiens, sachant que c'est. Honnêtement, c'est quasiment impossible de pouvoir choisir l'un ou l'autre. Enfin, l'opposé de sa faction. Donc, là. On voit que du coup, on a droit à différents pouvoirs et tout, en fonction des couronnes qu'on a et tout. Bon. Oui, je veux rejoindre ça, voilà. Du coup, maintenant, je peux choisir mon héritage. Ah non, je peux pas encore. Là, on voit c'est Meremta, hein. Il a 38 de légitimité, ce qui est pas beaucoup. Ah non, 69. Non. Ah non, ça c'est moi, je suis con. Donc moi, j'ai 38. Pour avoir le droit d'être un prétendant, il faut avoir 53 ou plus. Donc Ouasset, il les a. Amenemhes, il les a aussi. Donc ils peuvent déclarer une guerre civile pour prendre le titre. Héritage antique. Du coup. Le seul que j'ai pas fait en vrai, c'est Khéops. Donc on va prendre Khéops. Avec Hatshepsut, on a des caravanes marchandes. C'est un peu similaire à...
La faction qui ressemble. Qui mime la Chine dans Warhammer 3. J'ai oublié son nom maintenant. Bref, les Chinois de Warhammer. On va les appeler comme ça. Avec leur grande muraille. Sauf que du coup, bah, on peut gérer toutes ces ressources et faire des échanges. Honnêtement, je trouve ça un peu pété. Enfin, quand j'avais joué à la bêta, c'était pété parce qu'en fait, tu partais avec genre 1200 de nourriture. Et au fil des échanges, ça te prenait quand même une dizaine de tours. Mais quand tu revenais avec tes 1200 de nourriture et plein d'autres ressources. Ou alors tu farmais la nourriture comme ça. Et la nourriture que tu avais obtenue en bonus, tu pouvais l'investir ensuite pour avoir plein d'autres ressources à chaque fois. Enfin, c'était un peu pété. J'ai pas encore testé pour voir si... Parce que je l'avais évoqué au Game Director à la Gamescom. Pendant l'interview, je lui avais dit, ouais... Peut-être revoir un peu le truc à la baisse. Toute Moses, ça permet de faire des... D'avoir des bonus pour prendre plus facilement les villes, honnêtement. Alors, ça peut être sympa, hein. Genre, si tu joues en difficile, je pense, et que t'as des armées plus réduites, je pense que les pouvoirs sont intéressants. En normal, c'est pas très dur. Akhenaton, c'est ce que j'ai fait dans ma campagne avec Irsu. C'est pas... En vrai, le seul truc vraiment intéressant, c'est que les bonus de Aton, le disque solaire divin, ils sont pétés. Parce qu'en fait, on mélange les bonus de deux dieux pour Aton, et du coup bah, on a des bonus à foison. C'est... c'est ridicule, mais c'est très bien. Et du coup, j'ai pas encore pris Khéops. Donc on va faire Khéops. Construire des merveilles à des sites d'avant-poste unique. La construction est divisée en plusieurs étapes et débute par les fondations. Protéger aux merveilles en déployant une garnison dès le début de la construction. Préparez-vous à défendre contre les factions ennemies qui voudront les détruire. Pour accélérer la construction, utilisez des ressources de province et des experts. Une fois terminé, les merveilles octroient un bonus à toute Égypte et augmente votre légitimité. Semble bien. Khéops, le bâtisseur de la grande pyramide, a démontré Akhenaton, que les monuments... c'est un rappeur, enfin. Ah ouais. Je connais pas le rappeur. Il y a Zeus dans ce jeu? Non. Non, non, il n'y a pas... Il n'y a pas les Mycéniens ni les Minoens. Donc pas de proto-Zeus. Zeus, il me semble qu'on a ses premières traces de... de son existence seulement vers le 8e siècle hein, avant Jésus-Christ, donc c'est quand même 400 ans après le moment où ça se passe là. Donc là on voit il y a les grandes pyramides, c'est Utnezout qui les possède, Meremta possède de grands jardins et ainsi de suite. Moi j'ai quoi? J'ai rien du tout. Voilà. Voilà ce que j'ai. Ah oui, je voulais monter. Avant-poste. Avant-poste administratif. Oh, c'est ça que je veux. L'armée interagissant avec ceci obtient une meilleure portée de déplacement pendant quelques tours. Donc je fais ça, vous allez me dire, mais il faut 3 tours, ça sert à rien, t'auras pas le bonus. C'est le seul dieu pour les Européens, non, non. C'est le seul dieu pour les pervers. Construire instantanément, utilisation gratuite grâce aux bâtisseurs experts. Quoi, j'ai ça? Attends. Parce que normalement, du coup, ça te coûte de l'or avec les autres... Ça c'est lié à Khéops et tout, mais d'où est-ce que je sais que j'ai des... Comment je sais que j'en ai disponible? Ils doivent l'afficher quelque part, non? Je fais toutes les constructions dans les régions concernées pour bénéficier de pouvoirs inédits, d'accord. Pourquoi pour les pirates? Bah, Zeus, c'est quand même le dieu qui s'est transformé en pluie pour mettre enceinte une femme. Il s'est transformé en cygne pour mettre enceinte une femme. À un moment, genre, t'as un fétiche bizarre, tu peux être sûr que Zeus a réalisé. Hein. Le 7. C'est où qu'on voit les experts du coup. C'est un peu frustrant là, pour le coup. N'importe quoi. Prétend-il. En essayant de se rattraper. Ouais. Wisdom and all things. Le chef de la faction, est-ce que ici je le vois peut-être? Placer général, voir les archives. C'est pas le dieu des terroristes comme ton Khéops là. Khéops c'est pas un dieu hein.
suis désolé de te l'annoncer, mais Khéops n'est pas un dieu, hein, c'est un pharaon. All will remember me. Akhenaton, c'est pas non plus un dieu. C'est Aton le dieu. Akhenaton, c'était le pharaon. Bon, du coup, là, j'ai construit instantanément du coup l'avant-poste. Avec ce petit monsieur-là, en marche forcée, approvisionner l'armée. Du coup, j'aurai plus 30% au prochain tour. Et ça me permet d'aller directement jusque là-bas. Moving on. C'était un terroriste. C'est vrai qu'il promouvait le... J'espère qu'il va pas essayer de prendre la ville, parce que moi je voulais la prendre, hein, celle-là. By my guidance. Et on va aller chercher l'oasis là-bas en bas. J'ai plus de bonus pour aller dans le désert. Ah, celui-là, il me donne aussi l'immunité. Knowledge is power. Là, marche rapide. Long road ahead. Et on sait que les monothéistes sont des terroristes. Ah, on a débloqué la cour. Decisions will be made and taxes taken. Bon. So proclaims the God King. La cour, du coup. On a plein de postes qu'on peut essayer de choper. Pour ça, il faut que le poste soit vacant pendant les suivants d'Horus. Donc là, c'est le cas. Donc s'il y avait un poste vacant, j'aurais pu payer pour prendre le poste. Pas de poste vacant. Ce qu'on peut faire, système... Donc, faire une requête, en gros, ça permet de demander le bonus propre au poste. Donc vice-régent de couche, on peut ou avoir des mercenaires couchites. Donc c'est des archers et des lanciers, si je me souviens bien. Ça... C'est comme la lune, c'est pas la lune pour toi. Quoi ? L'avantage des mercenaires couchites et chez le commandant en chef des guerriers d'élite, c'est que peu importe où vous êtes sur la map, par exemple là je suis en territoire ennemi, mais je peux pas faire de recrutement local. Par contre, les recrutements spéciaux type unité d'élite ou unité de vassaux, je peux. Et la terre, c'est pas la terre pour toi aussi. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as passé trop de temps avec Dionysos, c'est ça? Et tu es complètement bourré? Ouais. Du coup, c'est extrêmement utile, mais pour ça, il faut avoir 60 de faveur. Je crois que c'est de la faveur qu'ils appellent. Non, de l'estime. Ok, pardon, et de l'estime pour nous. Pour obtenir de l'estime, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou on lui prête assistance, donc ça nous donne suite 120 d'estime, mais ça nous coûte 360 en or, d'où la puissance de l'or en début de partie pour avoir rapidement de l'estime. Ou on donne des rumeurs. Ça révèle un complot qui a été initié contre lui ou par lui. Ça nous donne 20, et sachant que ça nous donne plus si c'est un complot contre lui qu'on lui révèle. Ce que tu as dit l'autre jour quand tu jouais à Lunar. Ah oui! Et bah en attendant, Lunar, y a rien qui laisse entendre que c'est sur une lune. C'est peut-être sur planète qui s'appelle Lunar. Hein. Et voilà. Et après, vous pouvez comploter contre. Le chantage, ça permet d'avoir de l'estime gratuitement, du coup. Mais il y a des chances d'échouer, si c'est révélé, vous avez une mauvaise réputation. Discrédit, ça permet d'augmenter de la légitimité, enfin de voler de la légitimité. Concrètement, les chances de réussite sont déterminées par combien vous avez de légitimité par rapport à l'autre personne. Pas ouais, de trucs intéressants, il y a l'air quand même d'y avoir pas mal de mécaniques, mais ça se comprend bien pour le moment, je trouve. Il y a pas mal de mécaniques, mais aucune n'est très complexe. Et elles se recoupent un petit peu, mais suffisamment peu en fait pour que tu puisses bien les assimiler l'une après l'autre. Et du coup, franchement, c'est pas très dur. La menace, c'est ce qui permet de libérer le poste. Et du coup, ensuite, je pourrais par exemple prendre le poste qui m'intéresse. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est être copain avec le commandant en chef. Parce que ça me permettra d'avoir des unités d'élite qui sont très fortes. Surtout en début de jeu. Elles me coûtent très cher, mais elles sont très fortes. Donc on veut. L'oasis, hop, on va construire une pierre. On a pour un tour, mais juste pour le tour qui vient, du coup, on va enlever les taxes. Ça fera un peu moins de malheur. Et ici. 15 de bonheur grâce au bâtiment maintenant. Incroyable, je suis incroyable. Là, ça construit encore. Là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Non, pas pour le moment. Lui, on pouvait pas le détruire, malheureusement.
Ce qui m'embête parce que j'ai quand même besoin de ça. J'ai pas assez de pierres pour faire un temple d'Isis. Et j'ai pas assez d'emplacement de bâtiments non plus à pouvoir faire plein de bâtiments qui donnent de la bouffe. Donc on va juste accumuler pour le moment. Ça fait beaucoup de coïncidences. Ça va. C'est pas déraisonnable, hein. C'est quand même 396 en nourriture qu'il me donne. Pour 9 tours, j'ai que 41 à lui payer et je peux encore augmenter ma capacité de production en or. Donc on va accepter. Déclarer la guerre? Qui me déclare la guerre? Ah bref. Pas très cool ça parce que... Bah, alors moi qui ai dit en plus que... Ah. La bon, paix. Ça veut dire que quelqu'un a lancé un une guerre civile. Délicat. Pour prendre la place du pharaon. Ouais, dans le test j'avais dit que l'IA était plutôt gentille contre l'autre. Et pas très agressive par rapport à Warhammer 3, mais pour le moment là cette partie Momo c'était pas un pervers, c'était Kimo. Le sang coule. Inévitablement. Un truc que je me suis souvent demandé. Se marier avec des enfants de 5 ans. Ah, ce Momo-là. Si, aussi. Bah c'est un monothéiste, hein, c'est ce que je disais. Les monothéistes, tous des terroristes. Hein. Et oui, ça a pas grand-chose à voir avec l'Égypte antique. Tausret. Bon, ça m'emmerde beaucoup, du coup, parce que je voulais les attaquer eux. Du coup, bon, après ils sont un peu loin, mais ils vont venir avec par bateau, sûrement. Est-ce que j'ai le temps? On va se rapprocher. Journey onwards. À peine, Momo venait de là. Non, pas vraiment. Ça, c'est l'Egypte, d'accord? Là, tu as la mer Rouge. Momo, il venait de là, quelque part, d'accord? Et accessoirement, les croyances de Momo dérivent de celles... c'est un monothéisme dérivé de... du monothéisme juif et de la même chose, pas vraiment, non. L'idée qu'il fait beau, c'est la même chose. Ready for anything. Un peu. Oh putain, il me l'a prise, le salaud. Ah, ça a surtout genre 3000 ans de plus. Long journey ahead. Bon, bah, du coup on va revenir là et on va aller chercher Tam en espérant que personne ne me le prenne cette fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il y a des papiers récents qui lancent l'hypothèse. Potion. Que le monothéisme juif dériverait en fait... Parce que Akhenaton a fait appel à beaucoup d'esclaves pour construire sa capitale Akhetaton, qui est un peu plus au nord, je crois. Ouais, elle est là. Et promouvoir du coup son monothéisme, qui en était pas exactement un. C'est comme si vous lisez l'Ancien Testament. On fait clairement état que d'autres dieux sont priés, quoi. Un Égyptien et un Irakien, c'est la même chose. Autre époque, autre mentalité, autre culture, sont pas mal. Comme un Marocain et un Algérien. Oui, alors en fait, non, ça n'a rien à voir. Irakien, c'est concrètement des peuples perses. C'est pas des peuples perses, mais avec la longue domination perse sur la région, ça en est plus ou moins devenu.
Les Égyptiens, c'est une toute autre culture, un tout autre peuple. Hein. Tu sais, l'histoire, c'est pas juste l'extrême droite. Hein. Surtout qu'ils sont plutôt mauvais en histoire, les gens d'extrême droite. Non. Non, non, pas du tout. Là, tu serais plutôt en train de comparer un Français avec un Byzantin. C'est pas parce que t'as eu des périodes où t'as eu une domination par un même peuple que c'est les mêmes, hein. Pour augmenter ma pierre, je vais augmenter ma nourriture. Bah, français et italien, pourquoi il y a un rapprochement? Parce qu'il y a eu une période de domination prolongée par Rome sur les deux régions. Et c'est juste pour ça en fait. Là on est à l'âge de bronze, genre l'Égypte n'a pas foutu un pied en Arabie, l'Arabie n'a pas foutu un pied en Égypte. Hein. Tu peux attendre encore 2000 ans hein, avant que ça arrive, donc non ça a rien à voir. Désolé de te l'annoncer. D'ailleurs, je te rappellerai juste que les Égyptiens ont quand même été dominés pendant plus de 1000 ans par des Grecs. Hein. Tu me demandes du bois contre de la bouffe. Non, désolé Ramsès. Autant je perds de la bouffe, je perds du bronze. Mais mon bois, j'en ai besoin. Oui, alors la couleur, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Je sais pas si t'es au courant, mais les Mayas et les Aztèques... Ils ont à peu près la même couleur de peau. Ça en fait pas des cousins des Égyptiens. Malgré les théories complotistes qui disent « Oh, ils ont construit des pyramides !» Déjà, c'est des pyramides à l'étage qu'ils ont fait, les Mayas et les Aztèques. Putain, ils me déclarent la guerre aussi. Oh yeah, mais punaise, ça change complètement de ce que j'ai pu avoir en... pendant mes parties test. Et du coup, non, c'est même pas sur le même continent. Parce que l'Égypte, ça c'est en Afrique. Et la péninsule arabique, c'est un sous-continent. Donc c'est même pas le même continent. La même chose que l'autre jour avec les planètes. Ah non. All things. Say what is on your mind, and I will consider. Je déclare rapidement la guerre. Hop. Je vais être dans la merde. La partie commence très très mal, on va pas se mentir. En plus, a priori, il y a des murs là. Break them down. Il y a des murs, c'est-à-dire que je vais encore perdre du temps avant de pouvoir prendre la ville et aller protéger mes villes. Their supplies are running out. For glory. Ah, j'ai pas assez de portée pour aller prendre la ville en un tour. Il y a des théories qui disent que leurs ancêtres étaient des Atlantes. Alors, l'Atlantide, c'est une allégorie utilisée pour expliquer quelque chose. Ce n'est pas réel. Et ce qui se rapproche plus de l'histoire de l'Atlantide, d'ailleurs, se passe à l'âge de bronze. Alors, je pense pas qu'elle est modélisée sur la carte. Alors, on voit la Crète. On voit un peu l'île de Terra ici, qui est en forme de croissant de lune. Et en fait, au départ, c'était un cercle, c'était une île volcanique. Et aux alentours de 1500-1600 avant JC, le volcan a explosé. Mais en fait, il s'est effondré sur lui-même. Et du coup, l'intérieur de l'arc de cercle, c'est l'ancienne caldeira du volcan. Et d'ailleurs, c'est à peu... Donc, et l'île de Terra était très prospère économiquement, parce que c'était un carrefour commercial. C'est... Pour situer, vous pouvez visiter encore un des villages de l'âge de bronze, du coup, qui a été enseveli un peu comme Pompéi. Et qui a été du coup déterré de suite et on peut les visiter maintenant. J'y ai pas encore été mais c'est un de mes objectifs d'y aller. Et c'est suite à ça d'ailleurs que la civilisation minoenne a commencé à décliner. Alors elle était déjà sur un léger déclin mais ça a franchement accéléré son déclin et ça a probablement permis entre autres aux Mycéniens de devenir les maîtres de la Grèce antique. Enfin, de la Grèce de l'âge de bronze plutôt.
Ouais, on va prendre Tempa. J'espère réussir à prendre l'Oasis dès le prochain tour. Et je crains que je vais devoir rapidement... Je crois que j'ai oublié d'ailleurs de... d'aller glisser des modos au commandant. I knew I would see eye to eye with a fellow Egyptian. Alors, ouais, non, allez, on... J'espère que tu n'es pas sérieux, Zeus, et que tu dis ça pour troller, hein, parce que sinon... Je sais pas si tu réalises ce que ça représente de traverser l'Atlantique avec les bateaux qu'ils avaient à l'époque. C'est-à-dire que les bateaux qu'ils avaient à l'époque, concrètement, ils s'éloignaient pas à plus de 50-100 km des côtes. C'est pas toi. Bah, je sais pas qui a sorti ça, mais c'est une personne qui est très mal renseignée. Et bah, pour situer aussi, si vous allez au sommet de Rhodes, l'île de Rhodes donc qui est au sud-ouest de la Turquie. Est-ce que j'augmente mon bois du coup ? C'est vrai que j'augmente ma bouffe quand même. Il faut que j'augmente ma nourriture, mais en même temps j'aimerais bien. Bon, mon bonheur il augmente encore, alors ça va. Ils étaient plus avancés technologiquement que nous. Oui. C'est ce que j'ai entendu dans un reportage. Oui, si tu vas sur place, hein, parce que dans les reportages ils te disent oui, les pierres sont tellement. Oh là là, je vais perdre ma capitale. Heureusement que je stream que pendant 45 minutes encore. Ils vont dire oui, les pierres sont tellement rapprochées que il faudrait un laser pour pouvoir avoir un truc aussi précis. C'est vrai pour quelques rares pierres. Dans 95% des cas, c'est pas du tout le cas. C'est pas très bien aligné, hein. Les reportages type c'est des aliens qui ont fait ça, c'est vraiment du gros caca. En fait, construire des pyramides... Tu sais que construire des pyramides, concrètement, c'est le truc le plus simple possible. Hein. C'est littéralement, tu fais un truc plus fin à chaque étage pour être sûr que ça tombe pas. C'est genre le niveau 1 de la construction. Si tu commences à faire des trucs qui partent à la verticale, avec la prise au vent et tout, il y a plus de chances que ça s'effondre. Aussi lourd que soient les pierres, ça risque de s'effondrer. Et construire les pyramides là où ils étaient, faut pas oublier une chose, c'était pas le même climat qu'aujourd'hui. Hein. Si tu prends... alors, pareil, on a des sources égyptiennes d'époque, hein, justement, qui... En comparant les deux sources, ça fait que début de l'âge de bronze, donc on va dire vers moins 2000, hein, pour simplifier, bon, la plaine fertile allait grosso modo deux fois plus loin. Genre à ce moment-là, il y avait déjà une désertification autour du Nil qui s'est opérée et qu'ils ont constaté. En Mésopotamie par exemple, en moins 2000, ils ont arrêté de cultiver certaines céréales pour les remplacer par des céréales qui ont besoin de moins d'eau et de sols moins riches parce que justement le sol commençait à être moins fertile. Il y a notamment un problème de salinité avec les rives du Tigre et de l'Euphrate. Engage the enemy. J'attends encore un tour, mais il y a ma capitale en haut, je vais la perdre. Aïe aïe aïe. Warrior of Egypt, strike through. Ça. I will carve out a legacy. Oh, et là-bas, je peux encore aller chercher un truc et c'est avec du bronze. C'est une très mauvaise idée de faire ça. C'est une très très mauvaise idée de ma part. Oh, et en plus là... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche le siège pour aller taper eux? Si je lâche le siège, je perds mes armes de siège. Ah, faut que je continue, hein. Y'a pas le choix. Comme pour les planètes l'autre jour. Quoi? Y'a quoi avec les planètes?
The divine court bids you welcome. Allez, prochain tour, je peux en recruter du coup des unités d'élite. Ça va me coûter une blinde, je vais tout perdre. Mais mon armée devrait devenir suffisamment puissante pour être sûr de passer l'oasis là. Et ensuite, je sprint en haut. Je sprint et je prie. Littéralement. Les inepties que Gims raconte, personne n'y croit. Il y a des gens qui y croient. Justement, c'est un des gros soucis et c'est pour ça que je prends aussi sérieusement là. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Parce qu'ils sont absolument pas renseignés. Et ça les intéresse pas en fait. Comme pour avancer les pierres, certains ont dit impossible à l'époque, donc c'est des aliens alors que c'est bon, tu es des gens à la tâche pour tirer des pierres, notamment sur des rondins, c'est ce qu'on ne peut plus simple, si c'est de l'esclavagisme. Alors, a priori. Les études récentes laissent penser qu'ils avaient beaucoup moins appel, faisaient beaucoup moins appel aux esclaves qu'on ne le pensait. Ils y faisaient appel, hein. Notamment je pense pour les tâches comme déplacer les pierres. Mais a priori quand même beaucoup moins que ce qu'on pensait. Là où avant on avait la représentation des milliers d'esclaves qui se font fouetter comme dans Astérix, on s'en est pas mal éloigné de cette image. Essaye de nous la faire à l'envers. Ouais, mais c'est comme les gens qui disent oui, les Égyptiens, ils étaient noirs. Oh putain, ça y est, je perds ma capitale. C'est du whitewashing et tout. Alors, oui, si tu regardes des bouquins d'histoire des années 60 où on te met. C'est limite un américain le pharaon, hein. Oui, là, on peut dire que c'est du whitewashing. Par contre, comme dit, on sait que. Bah, suffit de regarder en fait. Tous les peuples qui vivent au sud de la Méditerranée, ils sont pas noirs. Tu regardes les Marocains, les Algériens, en allant un peu plus au nord, l'Espagne, le sud de l'Italie, ils sont pas noirs. Et quand on sait que le climat était plus doux à l'époque, ils avaient encore moins de chances d'être noirs dans cette période, dans cette partie du monde. La perte de couleur, de pigmentation de la peau, c'est notamment fait avec l'agriculture, parce que du coup on a commencé à avoir des carences en vitamine D et du coup notre peau a blanchi pour mieux capter ou mieux synthétiser la vitamine D avec les rayons du soleil. Et c'est un truc ça s'est fait du coup. Pourquoi ça suffit pas? Ah si, victoire à Cadman. Allez, je prends. Oui, voilà. Cléopâtre noire, la meuf, c'est une descendante de grec qui faisait beaucoup d'entre-soi, justement, pour garder la pureté de la lignée. Donc, elle a d'autant plus de chances de rester de peau plus claire que le reste de la populace, en plus. Mais ils te sortent des conneries de ce genre. C'est impressionnant. Déplacement en mer plus 30, il me servira à rien celui-là pour moi. Ça, ce serait quoi? Taille de l'aura et bonheur plus 6 dans la province. Ça, ce sera pas mal utile, je dois dire. On va augmenter ça pour moi. Alors, elle était peut-être pas blanche parce qu'il y a quand même 200 ans qui s'écoulent entre le moment où les Grecs ils arrivent en Égypte et le moment où Cléopâtre naît. Mais clairement. Non, justement, tu regardes les Grecs. C'est comme les Italiens ou les Espagnols du Sud, hein. Ils sont quand même tannés. Tannés, ça se dit? Non. Allez. Ils sont au moins bronzés. Après, pareil. Et ils vivaient vraisemblablement dans des palais. Donc plutôt à l'abri de la lumière. Donc potentiellement, effectivement, plus blanc que s'ils allaient régulièrement dehors. Alors, amélioration de colonie disponible. Plus de bonheur, ça va être utile là, je crois. Oasis de Dungul. La pierre en plus, ce sera très utile aussi. Et on va tâcher de choper ce truc de. J'ai combien de temps encore pour l'ambition? 3 tours. Oh, ça va passer. Ça va passer tout juste, mais ça va passer. Action disponible. Ah, j'ai pas fait une action de course.
I am the soul of Ra. And this is the heart of all Egypt. Allez, on va s'appauvrir un peu plus. Mais regardez-moi ces merveilleuses unités et leur stade de ouf. Képèches royaux, compagnons des chars royaux, archers royaux, allez. Avec ça, je vais défoncer l'autre et récupérer ma capitale. Zeus, je sais pas comment il est représenté en vrai dans... chez les Grecs. Ah, ils sont bronzés comme les gens qui vivent dans le sud et... ils sont particulièrement exposés au soleil, quoi, hein. C'est... ça a rien de choquant ou de honteux à bronzer quand tu passes du temps au soleil, hein. Prepare to move. Prendre le moins 20% là, parce que je vais bien en avoir besoin. Strategy is key. Plot a route. S'il va vers Etem, ça m'arrange. S'il va vers Yebu, beaucoup moins. Ah mais c'est Yebu ma capitale en plus, c'est même pas ma capitale que j'ai perdu. Bon par contre je perds 1000 de wouf par tour, je suis dans la merde. Ma copine adore ce type de jeu mais elle joue pas sur PC que sur console, ça c'est dommage. Parce que pour le coup les meilleurs jeux de gestion, tu les as quand même sur PC. Après c'est un truc que je pige pas trop. C'est pourquoi il... font pas vraiment juste un portage, mais on ne peut plus basique. Egypt's empire grows. Avec jeu à clavier souris obligatoire à la console. Alors, c'est pas comme si ça n'existait pas les souris et les claviers sans fil de qualité. Encore il y a 15 ans, je dis pas. Et on a quand même eu un Age of Empire 2 sur la PS2, donc... Et prochain tour, on construit le truc de cuivre, enfin de bronze, et on essaie de sauver notre pays. Future Queen. Cours action disponible. On va aller murmurer des mots doux qui seraient lents de couche. Right, et en vrai, je vais essayer de choper de la bouffe. Qui a beaucoup trop de nourriture et qui a besoin d'or? On a une bonne relation avec Abjou. Are you here to offer sage advice, Tausret? Est-ce que tu peux me donner... allez, 500 de bouffe, ça... putain, ça me coûterait tellement. Ok, avec 50 en or, je peux presque les avoir, donc... ah mais je ne produis que 20 en or. C'est pas grave, on va perdre de l'or, c'est pas grave. L'or, c'est pas une ressource essentielle et on va gratter plus de bouffe du coup. On est bien. Voilà, 870 de bouffe pour 100 en or pendant 5 tours. Donc je vais perdre 500 en or. Mais je vais que perdre une centaine de bouffe par tour. Il me faudrait aussi du bronze en vrai. Oh yeah. C'est la merde. C'est la merde. On quitterait la négociation, oui. Ouais, elle a fait Zeus, tout ça sur PC. Mais tu vois, elle a joué à Halo Wars sur Xbox. Ou encore Age of Empires Civilization. Et c'était bien maniable. Bah, le vrai problème pour un Total War, c'est si tu fais les batailles toi-même, quoi. Ça doit être assez compliqué. Je sais pas comment serait géré la sous... en vrai, ça doit être faisable. Ça doit être faisable, surtout si tu mets régulièrement pause. Mais bon sang, qu'est-ce que ça doit être chiant. Alors qu'en vrai, je joue pratiquement qu'avec la souris, hein, à ce jeu. Genre, mon clavier me sert juste à déplacer la caméra. Ah, et puis quand ça pille mes avant-postes, le salaud. Vous avez vu, yam yam. Mais comme il suffit... les consoles supportent dans l'absolu les souris. Donc pourquoi ils font ça? Alors oui, les testeurs ils diraient c'est un port feignant et tout. Plans, oui, c'est vrai. Plans. Mais en attendant, tu peux jouer à ton Total War sur PC, sur ta console. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vraiment. Là, ce serait quoi? Immunité contre l'usure. Et là. Entretien moins 20% que j'ai déjà pris, je crois, oui. Donc on va aller ici, on va tenter de choper celui-là. Et on essaiera de remonter vers lui ensuite. Je sais plus à qui j'avais demandé. J'avais demandé à... je crois que c'était pour Warhammer 3 Immortal Empire que j'avais demandé s'il prévoyait, ou envisageait en tout cas,
un portage revenu en bois ou de la nourriture dans l'oasis. Bah écoute, on va déjà prendre de la nourriture, histoire d'essayer de revenir à l'équilibre. Voilà, donc vraiment. Et là mon PC il est pas ouf, honnêtement. Niveau processeur, on est en dessous de celui de la série S. Carte graphique, on est au-dessus, mais le jeu, enfin, mon PC là, il le fait tourner en 4K ultra en gros. Pour la série S, ça tourne largement en 1080p. En fait, la série S elle est plus puissante que mon autre PC. Et sur l'autre PC, je peux les faire tourner en 1080p tout à fond. Donc, ta question se pose même pas. Techniquement, ils peuvent le faire. C'est pas un souci. Après, oui, il faudrait mettre en gros attention clavier souris obligatoire. Est-ce que ce serait tellement un problème? Je ne pense pas. Là en bas, il y a encore du bronze à chercher. Et là, il y a aussi du bronze. Oh, et de la pierre aussi. Ça fait partie de. Ça me permet. Ah non, je pourrais pas avoir l'oasis en complet. Il me manquerait Dungul. Et après, je sais pas ce qui m'attendrait plus au sud. Mais c'est pas grave. For the gods. Long journey ahead. Fonce, mon petit. Fate beckons. Cours, action disponible. Hop. Change is upon us. And only the worthy. Objectif là, ça va être de chercher l'or de couche. Pour essayer de payer. Ah, c'est la galère ce début de partie. Sincèrement, sur les trois parties que j'ai fait, j'ai jamais été autant agressé par l'IA autour de moi. Pourtant, elle a été donnée comme étant en difficulté normale, Taoucert, là, pour commencer, mais. Il me demande 14 en or, 246 de pierre par tour contre 369 de bouffe. Tu voudrais pas plutôt me donner du bronze? Ah, il a que 51. Écoute. Ah oui, non, mais en plus, c'était difficile comme ça. Bah, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste que faut bien mettre en avant que c'est obligatoire, quoi. Et pareil, après, en vrai, déplacement de la caméra, tu mets sur les croix directionnelles. Joystick droit pour déplacer le curseur. RT et LT pour les clics. Voilà, c'est. Je vais pas dire c'est bon, mais si, en vrai, c'est grosso modo suffisant. Moi qui ai touché un mot à l'IA pour me venger de tes questions hier. Je suis désolé. Je pensais pas que. Enfin, je savais que certaines de mes questions étaient dures. Mais elles étaient dures dans l'idée que, justement, il n'y ait pas de perfect ou quoi. Et j'en ai quand même mis quelques-unes qui étaient pas très dures. C'est juste que. Peace is a time of opportunity. Parce que tu t'en fous de ces gars en vrai. Always be prepared. Vas-y, je prends l'immunité au désert. This lacks foresight and hindsight. Alors ça, ah mais d'accord, il vient d'être pillé en fait. Oh les salauds. I am relentless. Fight smart. Allez, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle une mise à mort? Franchement. Allez, attends. J'ai chopé un peu de bronze. Ça me permettra de tenir un tour de plus, ça, le petit bonus que j'ai eu. On rassemble l'armée. Learning is power. Long road ahead. Il est aussi cassé. Est-ce que je peux faire une réparation instantanée? Non, je peux pas. Oh! Je suis obligé d'y aller comme ça, avec le risque que du coup il m'attaque, que je puisse pas reculer, et que du coup il me tue. Advancing. J'ai encore mon action de cours, oui. Ah mais j'ai pas encore assez pour prendre des mercenaires. Allez, rumeur. Courtesy is befitting of our sophisticated. On va espérer que mes unités d'élite là, elles suffisent à faire basculer les trucs en ma faveur. Pas investir sur mes bâtiments là parce que ils risquent de se faire piller, je vais devoir les réparer. Or plus 10%, ce serait pas mal hein. On est un peu à un stade où ce serait pas mal d'avoir plus d'or pour s'acheter d'autres ressources.
Disons que si tu me demandes le nom d'un perso dans Wonder Boy ou l'année de sortie d'un jeu, etc., nos problèmes est savoir si c'est une Clio ou numéro de série d'un robot sur un écran bleu. Sega GT, je m'y attendais, mais je me suis dit, il y aura peut-être qu'elle. Il y aura sûrement une ou deux personnes qui y ont joué. Et je sais que l'intro était pas. Parce que je l'avais mis dans mon test que j'avais sorti, je crois. Enfin, premier confinement, je crois. Le jeu manque de personnalité par rapport à Gran Turismo. La bande son est. Pas médiocre, mais. Ah, nouvelle guerre civile. La paix. Oui, oui, j'avais compris. Et je perds encore une ville. J'ai bien fait de m'investir dessus. Défaite décisive. Et il pille encore. Ah mais en plus ils m'ont même pas pris la ville, ils m'ont juste pillé. Mais il vient avec combien d'armées? Je vais mourir. Genre là je m'étends dans le désert, mais en vrai c'est une fuite. C'est une fuite dans le désert, je me dis ils iront pas là-bas. Allez, je te défonce. Voilà, victoire de justesse. On renforce mes unités. En vrai, il me faudrait le bonus en bronze là pour tenir. Je peux pas renforcer mes unités du coup. Ouh, c'est mauvais! My learning deepens. Je vais pas vous mentir, tout ceci est très très mauvais pour les affaires. Est-ce que j'ai le temps d'arriver à Neken avant lui? Absolument aucune chance. En plus j'ai plus l'immunité au désert là. Oh. Comment je vais faire ça? Je peux aller jusque là, ça me restaure 50% et j'avance vers l'est autant que possible quoi. Prepare to move. Non, c'est vrai, il est cassé aussi, putain, je fais n'importe quoi. Knowledge is power. En vrai, je vais en construire un là, je sais pas pourquoi je m'embête. Le meilleur petit déplacement, hop. Voilà, hop. By my guidance. Un live de Xeros sans game over n'est pas un live de Xeros. Attends, attends. Immunité au désert, plus de déplacement là. Yebu est là-bas en bas. Je vais l'intercepter. Je vais l'intercepter, je vais le déglinguer. En plus, ça, il prend de l'attrition, le gars. Il est pas prêt. Cours, action disponible. Be welcome in the court of the beloved of the gods. Combien lui? Ah oui, mais lui il a 77. Parce que j'aurais bien pris les mercenaires, mais de toute façon je vais pas avoir de quoi les payer. Commandant en chef. Faire du chantage parce que j'ai 87% de chance, j'aurais 101% d'estime. Ça me permettra d'avoir d'autres unités d'élite qui me coûteront beaucoup trop cher pour ce que je peux payer. Metz, tout est cassé. On répare, pas le choix. ça craint tellement. Ou de réparation, c'est tellement. Je peux pas le laisser casser ou juste. On va le laisser. Je crois que ça se répare tout seul avec le temps. Difficulté moins 10. À cause de ça, je perds littéralement les 10. Ah non, je serai à moins 9 après. Je vais mourir! Centre religieux. Je me demande si j'ai pas genre un bâtiment gratuit par région, par tour, un truc du genre. Enfin, gratuit à faire instantanément. Voilà, comme ça je suis à moins 5.
Et en vrai, celui-là, immunité contre l'usure, je vais l'enlever. Parce que du coup, j'ai aussi l'immunité contre l'usure. Je crois. Non, j'ai pas l'immunité contre l'usure avec l'hôtel d'Isis. Là, c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Il y a vraiment déplacé. I am unmatched. Ready for anything. Colonisé. Mine for the taking. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, du coup. Et je vais en faire dans mes trois villes, là, comme ça je serai à l'équilibre. Il est 40. Beaucoup de temps. Et bon, comme ça, vous aurez au moins vu le début du jeu et j'aurais découvert que la Haute Égypte, c'est pas facile. Contrairement à ce à quoi je m'attendais. Faut vraiment croire que j'ai eu de la chance dans les présentes parties. En plus, là, on n'a pas encore eu de pillard. Et j'ai juste le bonheur du coup qui est réduit, mais il m'a pas vraiment posé de problème. Construisez un monument, ça augmente ma légitimité, mais j'ai pas... Donc là, une région spécialisée en or, ce serait pas mal, mais là j'ai 2000 de pierre. C'est quoi? Oh, il m'a détruit. Enfin, là, je peux pas voir c'est quoi cette faction. Est-ce qu'elle est loin de moi? Qui sait? Je sais pas. Donc je vais prendre celle-là, parce que c'est celle que je pense que j'ai le plus de chances de pouvoir valider. Précisément, il y a de l'or là en bas. Ouais, et du coup, je... Ça, c'est qui? Dungul? Donc non, c'est pas lui qu'on me demande de tuer. C'est pas lui non plus. Ah, c'est Kentmenu, donc celui contre qui je suis en guerre. Il faudrait que j'arrive à lui prendre les 4 villes. C'est jouable, hein, mais c'est chaud, quoi. I see all. Technique là, regardez. All things seem in order. Avant-poste militaire. Pas ça que je veux. Non, c'est pas d'embuscade, c'est. Meilleure portée. Non, je crois que j'ai déjà la meilleure portée, oui. Du coup, je vais faire ça. Je le fais en gra... Ah non, il est pas gratuit cette fois. C'est pas grave. Ah, peut-être une fois Strategy par le truc de Russe alors. Key. Par région. The gods will heed Tausret. Oh, je... Bon, alors. J'ai été débile. J'ai oublié de... On fait redémarrer le tour. Ça, c'est un truc qui m'arrive beaucoup trop souvent. J'oublie de changer le mode de déplacement. Et du coup, je pense pouvoir faire un truc et je me rends compte après. Ah bah non. Ah bah non. Avec des Atlantéens, peut-être. Non, avec les Atlantéens, je perds aussi sur Age of Mythology. Ok, donc on avait dit on part sur ça. En vrai, est-ce que je tente Kentmenu? J'ai 15 tours, c'est chaud. Je pense que je peux le faire. Selon la théorie que j'ai entendue. Manque de ressources. Je sais qu'on va manquer de ressources. Je sais et ça m'inquiète. I will guide Egypt in any way possible. En fait, j'ai vraiment aucune chance d'arriver jusque là-bas. As you were. Est-ce que je prends Neket? Enfin, Neken? Il y a des Atlantes dans ce jeu aussi? Non, pas d'Atlantes. You weaken Egypt. You weaken Egypt. Bon, c'est des paysans que je perds. Battle is always bloody. Occupé. This place is ours now. Ok. My knowledge expands. Ça, c'est pas trop mal. Ça. Du coup, je suis à l'équilibre. C'est bon, j'aurai assez de bronze pour passer la fin du tour. Tausret. Mais j'irai pas plus loin, quoi. Et surtout, il va aller PMS. Ce qui n'est pas bon du tout. You will bring a certain grace. 41 d'or contre 386. Oh yeah.
Bon, on va pas le renouveler, hein. J'ai besoin de bouffe, mais... J'ai aussi besoin d'or. Pour action disponible, du coup, on va faire... partager les profits. Ça m'arrange pas du tout, mais... J'ai pas le choix. I suppose Egypt is a land of generosity. Comme ça, je vais pouvoir tenter un achat sec de bronze. Ordre disponible à Yebou, oui, bah. Le problème, c'est que même si, oui, je peux mettre ça, mais pareil, si je perds Metz directement derrière, ça m'aura servi à rien. Ils vont partir du principe qu'ils vont pas me prendre Metz, qu'ils vont juste la piller. Du coup, le moins 10% en entretien, ça devrait m'aider aussi. Égyptien sud-américain et autres seraient peut-être à leur descendre. Ok, ma Oliva, mais... Non, merci. My name will be legend. Enfin, je pourrai augmenter son déplacement. Du coup, on avait dit on va chercher l'or au sud. Ready yourselves, men! For the Empire! Get going! Si j'avais un tout petit peu de marge, je dis bien un tout petit peu, hein, de marge niveau bouffe, je prendrais un autre général pour aller chercher les régions là-haut. Je ne les ai pas. Ah, je suis aussi en guerre avec lui apparemment. Merveilleux, on adore ça. Ah bah oui, c'est lui, c'est le dauphin qui est en train de me violer. The enemy are fools. Ce que je fais. Ah bah Metz a déjà été pillé. Donc ils reviendront peut-être pas dessus. Ah non non Metz, j'étais sur Nekan, je suis con. Je peux augmenter la taille de la garnison, mais j'aurais que 9, même pas 7. 7 de personnages en garnison, ça sert à rien. Je vais pas tenter d'investir sur un truc qui est voué à être perdu. Hein. Au pire, on avance comme ça. L'ennemi est devenu votre vassal. Hé, hey, je fais la paix. Ça me va très bien. Allez, vas-y, casse tout. Ah, il l'a juste pillé, ça va. Dans une autre théorie, l'océan Pacifique était un continent. Ouais, j'ai déjà entendu ça. C'est pas comme si on avait pu... alors, je sais pas comment on doit dire. Scanner au radar, du coup. Le fond d'océan, et qu'on sait qu'il n'y a pas de masse continentale en dessous. La chair est faible. Mais bon, encore faut-il que les gens qui sortent ça aient des notions de géologie. Je prétends pas en avoir, hein. J'ai juste mon bac S, mais... Ils étaient très avancés comme les Atlantes. Bah, c'est toujours pratique que tout le monde soit très avancé, sauf nous. Vas-y, l'entretien, moins 20%, il va faire du bien aussi. Ça y est, je vais nous plus avoir de bronze, j'en achète. My conquest is just beginning. Organize patrols. Ok, diplomatie. Qui a du bronze? Pas beaucoup de monde. Qui a de l'or? Enfin, qui veut de l'or? Good things always happen when we put our minds together. Change ponctuel. Si je te file 100 en or, tu me donnes pas beaucoup en bronze, j'imagine. 200. Ça me ferait tenir quelques tours. Je prends. Certainly. C'était... Si toi aussi je te donne 100 en or. Tu me donnes 200 en bronze? Oh, même un peu plus.
Vas-y. On prend. Ugh, fine. Ça me fera tenir quelques tours. Le jeu a une bonne ambiance et assez immersif pour le genre. De manière générale, les Total War, ils sont immersifs. Mais c'est vrai qu'avec les derniers opus qui étaient plus orientés... mythologique, on va dire. All parce que les Egypt trois royaumes, même si on pouvait faire un... diplomate, Tausenet. Non, on va pas le renouveler, même si j'aurais très besoin, mais... Je gagne plus d'or, là, donc... Je vais pas réparer tout de suite. Par contre, je vais lancer la construction à Yebu au niveau 5, comme ça, elle sera un peu plus défendable. Dans l'Oasis, ils vont se rebeller. Merveilleux, on adore ça. Génial. Ok, je peux gratter un tour. En poste religieux, j'ai pas assez de pierre. Ok, il faut absolument qu'au prochain tour, je construise un avant-poste. Quitte à claquer ma thune, enfin mon or dessus, pour accélérer la construction. Ça va très mal finir, déclarer la guerre. Non, Seti. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Ok, est-ce qu'il est en train de prendre Metz définitivement quand même? Oui. J'ai bien fait de pas lancer de réparation. C'est chaud, hein. Heureusement qu'on va arrêter. Alors ici on va tout de suite mettre du coup. J'ai un truc gratuit. Oui. Ah non, mais c'est pas grave. C'est quoi, je vais en faire deux comme ça. Hop. J'ai pas assez d'or. J'ai pas assez de... Non, je vais manquer d'or du coup. Je vais manquer d'or. Ça sent le game over là. Strategy is key. Fight smart. Là, le seul moyen, c'est qu'en prenant Metz. En fait, non, faut que je gagne et que je gagne au moins 34 en or. Voilà, donc je gagne. Est-ce que j'ai 34 en or en pillage? Another 34 en or ou plus. Yes. On a droit à un tour de plus. C'est ce qu'on voit, on entend dans les dessins animés dans les cités d'or. Donc la mystérieuse cité d'or, la seule chose qui est à peu près juste, c'est les petits trucs à la fin, quoi. Et pour le reste, c'est une histoire fantastique, hein. Réparer, ça me coûte presque rien, ça c'est bien. Bon. Alors, je suis en guerre. Avec Seti, qui est un gros morceau là-haut. Mais. On va tranquillement rester ici. On va attendre que... Ah mais non, attends, je suis aussi en guerre avec lui. Aïe. My blade is keen. Always prepared. Aïe. Non mais c'est bon, je suis en vie. La situation est globalement à peu près sous contrôle. On essaiera d'aller prendre Dungul pour avoir la colonie complète. Je peux pas faire ça parce que sinon ça veut dire que je vais mourir. En vrai, ça sent quand même le roussi. Moi, je peux pas réparer. On avait pas de fond. J'ai pas de fond, j'ai plus rien. Je suis mort. Voilà. Je peux pas faire de complot au chantage. Alors qu'il a trop de légitimité, mais tant pis, hein, je vais faire juste des rumeurs. Attends, non. Je fais des rumeurs. Il y a une clé 20 quand même, c'est pas grave.
That is how you show the proper courtly decorum. Vous faire de la pâtée de toi et te jeter au crocodile. Je sais pas si on s'emmerdait à faire de la pâtée de moi avant de me jeter au crocodile, hein, honnêtement. Qu'est-ce que ça me dit? Ordre disponible, bah oui. Qu'est-ce que je veux produire en priorité? Plus d'or, plus de bronze, plus de tout. Plus de tout. Rébellion imminente, dans l'oasis de Carcourt. Aïe aïe aïe. Je peux rien faire, hein. Je peux rien faire ici. Je peux pas y aller avec une armée. Je peux pas construire d'armée, je peux pas construire de bâtiment qui me permettrait de d'augmenter le bonheur. Je ne peux rien faire. Ouais. I will guide Egypt. Alors du coup j'ai quoi? Déplacement en mer, on s'en fout, recrutement plus 3. Et si je prends celui-là, taille de bonus plus 6 dans la province, vas-y. Bim, ça sera utile. Si j'arrive à récupérer mes provinces. Bon, de toute façon on va s'arrêter là, hein, mais... Ça va être chaud à rattraper quand je continuerai cette partie en solo. Qu'est-ce qu'il veut? Il me donne de la pierre contre de la nourriture. Je préférerais que tu me donnes de l'or, du bronze et de la nourriture. Et en grosse quantité, s'il te plaît. L'ennemi est devenu vassal. Faire la paix. The mind prevails. Donc il me fout de la bouffe, de l'or, du cuivre. Ça. La pierre, ça va. Knowledge is power. Là, j'ai l'armée rebelle qui a paru. C'est merveilleux. On adore. Long road ahead. Hear our prayer. Ils descendent de la montagne assoiffés. Ils descendent de la montagne assoiffés. Il y a plus d'or dans les caisses, il y a plus de bronze dans les caisses, il y a plus de bouffe dans les coffres. Il y a plus rien. Qui va? J'ai pas assez de pierre. Évidemment. Celui-là déjà, ils vont pas se rebeller. Maintenant, toi. Bon, on va pas investir parce que tu vas te faire piller par ces idiots-là. Écris, ouais. Non, mais de toute façon, on va arrêter là. On va arrêter là, va voir que j'aille bosser. Relations diplomatiques avec toutes ces factions, ça semble pas mal. Ça permettrait d'améliorer mes échanges commerciaux. Ah, je vais dévouer un général. Je dévouer Tausert, qui du coup a plus 8 en influence, plus 6% en défense en mêlée et plus 12 au moral de son armée. Parce qu'on a atteint le niveau 2 du coup. Qu'est-ce qui se passe si je tombe dans les négatifs? Oh! Alors, je pourrais essayer de revendiquer le poste de vizir. Problème! Putain, mon chantage a échoué alors que j'avais genre 80% de chance. Parce qu'il faut de l'or pour choper le poste. Même Pharaon, j'aurais pu. Enfin, non, Pharaon, on peut pas, mais.
Fait partie de cette génération qui réfute les propos scientifiques et se cultive avec les reportages et théories sur YouTube. Oui, et c'est un gros problème. Mais bon. C'est pour ça qu'il y a des jeux avec un contexte historique réaliste comme Total War au final. Parce que bizarrement, quand c'est dans le jeu, ils se disent pas « Ah bah non, c'est faux, je le sais, j'ai regardé tel reportage qui disait que c'était des aliens. » Non, là, bizarrement, ils l'acceptent. Si on a plus de jeux réalistes historiquement, les gens finiraient par admettre que « Ah bah, c'est sûrement ça, en fait, la réalité. » Et pas le reportage pourri que j'ai vu. Ça me fait penser au truc... C'est un ancien collègue qui me l'avait envoyé. Ouais, les Égyptiens, ils avaient fait un tunnel et puis ils déviaient pas de plus de 1 mm, enfin de 1 cm sur les 50 mètres de long. Je veux pas dire, mais quand tu fais un tunnel, que tu veux être sûr que la largeur de ton tunnel et la hauteur soient stables, en fait, tu fais juste un cadre en gros et tu creuses juste pour que le cadre à chaque fois il passe de justesse. Donc ça fait un truc hyper propre. Et t'as pas vraiment une technologie de ouf, hein. Du moins que ton cadre il est dans un matériau solide et que tu tapes pas comme un bourrin dedans. En fait, la théorie c'est pas c'est juste ou faux. La théorie c'est avec toutes les infos qu'on a, ce qu'on sait, c'est ça qui est le plus vraisemblable que ça s'est passé. En fait, les théories d'aliens et tout, ça ne tient juste pas debout. Parce qu'on trouverait des trucs, genre le fameux or qui servirait en haut des pyramides à capter l'électricité. On aurait trouvé du coup des matériaux qui permettent de stocker cette électricité dans les pyramides. Il n'y a rien de tout ça. Oui, bah écoute, on a qu'à les... Franchement, j'ai envie de dire, ces gens-là, on pourrait les foutre dans des camps de concentration, on s'en débarrasse pour l'éternité. Ça nous fait gagner du temps, il y a moins d'effets de serre, hein, et tout, et puis merde, quoi. Zut. Pourquoi tu me demandes du bronze? J'en ai déjà pas. Bah, il est déjà 15h. Je suis désolé les gars, faut qu'on s'arrête là. Il me demande un peu de tout pour me donner un petit peu de bouffe. Gars, je sais pas si t'as vu, mais je suis en rade de tout. Fous-moi la paix. Wisdom in all things. Bref, on sauvegarde là. On va s'arrêter. Faut que j'aille bosser. Les gouvernements ont caché ces technologies. Mais les gars, les pyramides et tout, on les a découvertes dans les années 1800. Enfin, on les a explorées dans les années 1800, 1900. Et un truc con, hein. Mais quand tu vois la course au scoop qu'il y a au niveau des journalistes, on pense vraiment qu'on n'aurait pas déjà eu des preuves qui seraient sorties. Genre, on arrive à sortir des trucs, hein, sur des gars... du gouvernement, il y a des documents classifiés de l'armée qui sortent régulièrement sur des forums internet du jeu, je crois que c'est War Thunder, des trucs qui sont actuellement classifiés, et on arrive à les sortir, mais ça on n'arriverait pas à les sortir. À un moment, faut être cohérent. Et deux, ça sert à rien de répéter que c'est pas tes théories à toi, hein. En fait, quand tu les répètes, tu participes à ces théories, donc... Bref, je vous souhaite encore une bonne après-midi. Demain, on joue à Phantasy Star 2, du coup. J'ai grindé cette nuit encore 2 ou 3 niveaux. On m'a envoyé un commentaire qui disait qu'apparemment, on peut choper un troisième personnage dans la maison d'où on sort au début. Sauf que quand on y était retourné la semaine dernière, bah, il n'y avait pas eu de personnage. Donc, on retentera demain aussi pour voir ça. Et avec un troisième personnage, ce sera sûrement plus simple. Enfin, voilà. Et du coup, en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. Puis à demain pour ceux qui sont là. Allez. Tchuss !